Bonjour à tous et à toutes, je suis Alice et aujourd'hui nous sommes sur Street of Rage, le remake. Je ne sais pas du combien. Ah, un bon jeu comme ça fait plaisir. Chose à savoir cependant, je ne suis pas très fort au jeu Street Fighter ni à Street of Rage tout court. N'importe quel jeu de combat, je me fais déglinguer la gueule. C'est pas grave, alors aujourd'hui, petite découverte sur ce remake. Alors je ne sais pas si c'est celui, je ne sais pas lequel d'opus c'est par contre. Alors on va commencer vite fait, je vais vous montrer le jeu. Alors les 6 personnages, les 3 emblématiques déjà, Axel, Blaze et Adam. Ensuite on a Zan, Skate et Max avec leur stat. Je vais prendre Axel pour commencer. Une petite phase de dialogue. Où on nous explique que l'on peut utiliser en cas d'urgence des missiles. Et avec laquelle Mr. X est partout, mais grâce à The Blaze, on a une petite map. Alors la map key est composée pour chaque personnage de 4 stages. Stages qui sont découpés en plusieurs parties. Alors on va commencer par celle-ci, tiens. Je vous laisse profiter de la musique par contre qui est géniale. C'est parti, alors premier stage. Ah, vous la reconnaissez cette musique? Vous sentez le battle? Alors, pause déjà pour vous expliquer un petit peu l'interface. Donc nous avons Axel, notre personnage avec les points de vie, notre barre de vie, le nombre de vie qui nous reste, le OK ainsi que le truc qui clignote là au-dessus du time. Ça doit, alors je ne sais pas ce que c'est, ça doit représenter la puissance de nos coups ou autre chose. Les points. Le personnage qui se manie avec les sticks. On peut sauter, faire un coup de donner un coup pendant qu'on saute, ainsi que lorsqu'on descend. Voilà. Un bouton pour le combo point, un autre pour le pied, frappe arrière. Et c'est tout. Il y a aussi une frappe spéciale. Voilà. Magnifique. Regardez bien, tu la vois ça? Ah, sauf que cela consomme de la vie comme vous pouvez le voir. Donc à n'utiliser que lorsque c'est vraiment utile. Hop, les chopes que l'on peut faire lorsqu'on est assez près. Je sais vraiment pas comment on fait les chopes. Pour moi c'est juste. Allez hop. Shoryuken. C'est juste du pif. Et comme d'habitude, je mettrai dans la description de la vidéo le lien pour le jeu. Et je vous le recommande fortement parce qu'il est génial. La shop. Hop, je fais de l'acrobatie sur son dos. Hop, Dragon Punch. Coup d'arrière. Alors il est possible de jouer jusqu'à 2 joueurs comme vous le voyez. Alors évidemment j'ai changé les contrôles sont pas comme ça, juste sur une manette de 3-6 pour ceux qui se demandent. Et là il y avait du sang, vous l'avez vu le sang magnifique de ce jeu. Oh le coup de tête avec la chope qui passe. Et là,
une partie de jeu un peu énervante, il y a un sniper. Ok, alors attention, attention, voilà. L'ultra, hop. Dès que ça clignote, en fait, faut bouger. Ah, je me fais Shane. Ouh, pas mal. Le coup qui est passé, on esquive la balle. Ah, voilà, c'est parti. Est-ce qu'il y a de la vie, par contre? Est-ce qu'il y a de la vie? Ça me serait bien utile. Ouh, ils m'ont Shane. Bon, j'ai laissé la difficulté sur normal. Enfin, même pas, j'ai mis sur easy parce que je suis une grosse bite. Ouh, pas mal ça. Pas mal le shop. Je récupère ça et c'est parti pour tricher. Bien sûr, lors de votre aventure, vous pouvez récupérer les objets. Je ne sais pas à quoi ça sert, honnêtement. C'est pour les points. Mais honnêtement, qui s'occupe à faire les points dans un jeu pareil? Et bien sûr, les objets que vous récupérez ont un niveau de vie, eux aussi. Regardez, au-dessus de mon prénom, enfin au-dessus de la jauge de mon personnage, il y a la jauge de mon objet qui descend, même si je donne un coup dans le vide. Est-ce que je peux faire un super avec cet objet? Non. Voilà. Et je le balance, l'objet, bien sûr. Et le couteau, attention, hop là, du sang. Du sang, c'est tout ce qu'on aime. Et ce jeu reprend aussi le swap color des ennemis. Très belle shop ça. Ouh, le petit combo. Le swap color, pour ceux qui ne le savent pas, c'est juste changer les habits des ennemis pour faire genre que ils sont différents. Ouh, le tacle qui est passé comme il faut. Coup derrière. Oh, ça passe pas, ça passe. C'est super, la shop qui est passée. Coup de pied sauté. Les barils, alors attention, est-ce qu'il y en a un qui explose? Oui, il y en a un qui explose, je vais essayer de ramener. Oula, c'était pas voulu. Ah, et je crois que je vais bientôt arriver à un boss normalement. Toi, je vais te finir avec un super. Ah, le voilà, le boss de ce stage. Oui, il y a un poulet. Du coup, ah putain, j'ai raté mon super. Là, je claque le super, voilà. Alors, il y a deux supers différents. Je ne sais pas comment on les différencie. Oh, la shop qui est passée. La deuxième shop qui passe. Le couteau, on le ramasse. Oh, le lancer de couteau, il est raté. Oh, il a réussi à me caser son couteau. Il a deuxième fois réussi. Une troisième fois. Ok, changement de plan. Hop là, je chope le couteau, j'attends qu'il revienne. Lui, il a couteau infini, donc pour ce qui est des... Ah ouais, ah ouais. Et bam, couteau. La chope qui est passée, j'aurais pu. La deuxième chope qui passe, le lancer de couteau dans le vide, le super qui passe. Et maintenant, au couteau, allez, à la main. Et voilà, avec un couteau dans les mains, parce que sinon c'est pas classe. Ah, je suis content, j'ai pas perdu une seule vie sur ce boss. À moins que je ne l'ai pas vu. Et maintenant, une musique un peu plus calme. Une musique un peu plus calme, si vous jouez au prix. Voilà, laisse-moi récupérer une pomme. Afin de me redonner de la vie. Ouh, Dragon Punch. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un Dragon Punch. Putain, saleté. Hop, toi t'es passé par derrière, tu crois que je t'ai pas vu? Ah ah ah, il croit que je le vois pas. Allez, petit enchaînement pied. On ne casse pas les tables dans un bar. Et là, nous arrivons à un moment du jeu qui va sans doute vous arriver si vous vous y mettez. Dès que je vous montrerai déjà si je peux avoir la paix. D'accord, t'en as qui arrive de nulle part. Voilà. La chape qui passe, le petit coup de tête, magnifique. Alors, je vais essayer de rester dans cette zone afin de vous montrer. Hop, l'ultra qui passe.
Voilà. Dans ce jeu, je ne sais pas si c'était comme l'ancien, mais c'est pas grave. Vous pouvez avoir différents itinéraires. Donc, jouer, c'est la surprise de ce qui se passe en haut. Mais je l'ai fait, c'est assez intéressant. Je vais continuer tout droit. Ah, dommage. Bon, et lorsqu'on meurt, hop, on réapparaît. Les ennemis sont complètement surpris de votre réincarnation. Ce qui explique qu'ils se mettent à terre. Je sais pas si vous entendez la manette sur laquelle je joue, mais je spamme tous les boutons. Et oui, il y a de l'argent dans les chaises et dans les tables. Je ne sais pas comment ils font, il y a technologie. Ed Barman, serre-moi un verre. Bonjour madame. Shop Ultra. Non, allez. Oh. Si j'arrive à la faire sans perdre un seul point de vie. Ouh, coup de pied sauté, pas mal ça. Moi aussi je peux le faire, regarde. Ah ouais, tu croyais m'avoir avec ton fouet. Attention, l'ultra qui passe. Désolé, j'ai plein de références de Street Fighter. La chope. Oh, le shuriken n'est pas passé, t'as de la chance. Le coup de pied sauté, il passe. Ouh, pas mal, coup de pied sauté. Moi aussi je peux le faire. Attention. Ouah, mais comment elle peut faire ça au ras du sol? Allez, la chope qui va passer. La chope qui passe. La chope qui n'a pas passé. Ah, c'est dommage. La chope. Ah, deuxième fois qu'elle n'est pas passée. Elle va. Je vais réussir ma chope. Bon. Est-ce que je vais réussir à faire une chope? Non, un coup de pied seulement. Oh, le combo il passe. Voilà. Et on finit sur un coup de pied sauté. Yeah. Pas mal du tout. Je me débrouille assez bien en fait. Et ce stage qui n'en finit pas. Mais une musique encore plus badass. Et là on a le droit au boss. Par contre, faudrait juste que je récupère ma vie. Désolé les gars. C'est parti, je vais pouvoir vous chain. Combo. Oh, pas mal ça. Hop, ça chaîne. Là, ah, ça me coince, ça me prend un sandwich. Ça me prend un sandwich là. Voilà. Un combo qui passe pour les deux, magnifique. Ouh, le coup de pied retourné qui passe. La chope qui lui fait perdre sa première barre de vie. Ouh, pas mal. Comment il s'appelle, le barbon ou baron? Ouais, barbon. Et là, ouh, la chope qui m'a fait. Elle est passée. Elle est réglementaire. Ouh, là, il bouge assez vite. Et attention, je vais quand même essayer de vous montrer le... Voilà. Le spécial. Allez. La chope qui va le finir. Peut-être un coup de pied. Non. Je vais le finir. Ah, je le finis à la chope. Voilà. Le shoryuken au ralenti peut-être. Ouh, dommage. La belle shoryuken au ralenti. Stage 1 clear. Super jeu. Je pense déjà que je vous en ai montré pas mal, franchement. Avec la petite séquence de dialogue que je vous passe. Ah non, stage 2. Allez, stage 2. Allez, stage 2. Le stage 2 du bonheur. Avec beaucoup de points. Un couteau aussi que je lance parce que j'ai pas de respect. Ah, les musiques, nom de Dieu. Ah, c'est musique. Bon, je vais plus vite que le scrolling. Oula. Oula, ça y est, le swap color des motards qui arrive. Les motards, bien sûr, des ennemis incontournables. Dégage. Je vais voir si je peux faire un petit combo pied, ouais. Une paire de lunettes de soleil qui me vaut 25 points. Oh, bonjour.
la moto qui explose. La moto qui explose. Ouais, il n'y a aucun friendly fire dans le jeu, je vous le dis direct. Oh putain, c'est tellement beau. Oh là là, le motard kid qui se prend mon pied. Une pomme. Oh dommage. Hop, la esquive. Le super dans le vide. Voilà, le motard qui passe. Toi, tu prends mon super. Ah, et je viens de voir qu'il y a une petite étoile en fait sur mon en dessous de mes vies. Allez, dans l'explosion. Je récupère ça. Oh, salaud. Bande de salauds. Il y en a un qui arrive. Sa moto va exploser. Je suis dedans. Oh là là. Bouffe mon point. Bouffe mon combo x4. Et toi, donne-moi ta pipe. La chope. Incroyable. Chope magnifique. On ne l'avait pas vu. Le coup de tête. Et c'est le fail. J'ai eu de la pub. Donc du coup, vous ne verrez pas. Vous n'avez rien raté. Ce n'est pas grave. Vous avez juste raté 2-3 secondes. Mais heureusement, j'ai mis à pause. On reprend. Et nous allons dans le camion. Ouais. Quelque chose me dit que vous êtes pas en arrière-plan. Quelque chose me dit que... Oh. Bonjour le boss. Ah non. Et c'est parti pour le Shane. Voilà, me bouffe mon point. Je te finis avec un combo x4. Yeah. Bon, je m'attends à ce que vous venez, voilà. Allez, Dragon Punch, je ramasse ça et je vous... Vous voyez, on voit un magnifique exemple de swap color. Il y a des motards, il y a deux motards orange, un jaune et un vert. Bon, là, il n'y a plus personne par contre. Ça, c'était un petit stage nul. D'accord. Et vous avez bien sûr, en dessous de chaque début de niveau, le nom de la musique. Musique excellente. Allez, est-ce que je suis parti pour tout faire en un crédit? Allez. Je m'arrêterai quand je serai mort. Ok, Truckers, tu vas mourir avec mon Dragon Punch. Enfin, mon... Ok, je me fais complètement laminer mes dents. Non, mais toi, tu vas me donner ce tuyau. Hop. Oh là là, je me fais poutrer dans tous les sens. Faut que je me débarrasse de ces hommes. Le air signal. Allez, la shop, putain, on m'a niqué sur ma shop et on m'a shop moi-même. Combo. Voilà, et toi aussi, combo. Oh, coup de pied sauté. Combo double. Il y en a deux qui se le prennent. Et voilà, le Truckers est mort. Des barrières. Je m'en fous des barrières. Je fais fi des barrières. Et je claque le super quand je veux. N'est-ce pas, vous deux? Allez, hop. Ah, et on a le boss. Le boss qui... Alors, j'annonce... Si j'avais pris le chemin tout au début dans les escaliers dans le bar, j'aurais quand même battu contre ce boss.
Et ce boss est sans doute le plus chiant de n'importe quel Street of Rage, pour ceux qui l'ont eu. Et c'est celui sur lequel je vais potentiellement mourir. Tout simplement parce qu'on ne peut pas le toucher ni avec une attaque spéciale, ni avec un ultra, mais seulement en faisant des coups sautés. Et c'est très relou, parce que le temps joue contre moi, et que si je lui claque même l'ulti, il prendra un coup et reculera. Voilà, et lui me fait ça, tranquille, pépère, ouais. Ça va, tranquille. Ma bite sur ton front, sente peut-être. Voilà, vas-y, claque. C'est ça, vas-y, venge-toi tant que tu peux. Ah là là. Combien de vies? C'est bon, je battrai au moins ce boss. Et là, faut le chain tant que vous pouvez. Oh, la chope qui passe! Magnifique ça! Allez. Voilà. Oh, attendez, je vais essayer quelque chose. Ah non, ce qui serait bien, c'est que je puisse lui mettre un Shoryuken. Attention. Là, je vais essayer de l'avoir au finish move. Ah non, il est pas passé ce finish move. Allez, peut-être qu'on aura cette fois le Shoryuken au ralenti. Non, on l'a toujours pas. Deuxième stage fini. Voilà. Beaucoup de points. 166 000 points. Encore une phase de dialogue que je skip. Stage 3. Allez, on continue. Ah, celle-là, vous êtes obligé de la connaître. Je la laisse. Ah, cette musique. Il y en a qui vont s'en souvenir de cette musique. Dreamer, the Street of Rage. Ah. Personnellement, je connais cette musique avec la reprise a cappella de Smooth McGroove, que je recommande fortement d'ailleurs. Oh, il y a une radio, je peux la prendre. Radio 50 points, très bien. Oh, mais c'est qu'il y a du peuple. Et mais j'ai besoin d'une arme pour plus de sang, de violence et de disco. Mais c'est quand même la chope qui passe. Oh, un double coup de pied, oui, c'est ça. Combo. Oh, si je pouvais le contrer avec le Shoryuken. Oh putain, il m'a contré dans mon élan. Ou alors toi. Et toi surtout. Voilà. Elle est pas morte. Bon, là je suis mort. Combo. Ok. Je vais devoir te finir. Oh, bien sûr, mets-moi une pichenette. Alors, voilà, comme ça qu'on finit. Avec un Dragon Punch. Oh, contrer, c'est magnifique. Ah, double chaussure à talons dans les dents, ça fait mal, ça ne pardonne pas. Est-ce que je peux casser ce banc? Wow, magnifique slap color. Putain, même le remix, même la musique a eu droit à son remix. Le remake de la musique. Oh oh. Le Shoryuken qui m'a sauvé la vie pour le tacle. Ah, les hommes de la mafia qui s'y mettent. Oh, qui me font une chope monstrueuse. Hein, Silver, c'est ton petit nom? Ouais, mais non. Allez, donnez-moi vos armes. Putain, je peux pas récupérer les armes à feu. Oh, là, je vais me faire pounette par contre. Oh, le magnifique point qui est passé.
Oh bien sûr, fais-moi une chope. Ah, c'est la mort. C'est la mort qui m'attend si je ne fais rien, si je ne casse pas cette poubelle, peut-être que si je lui lave pas les couilles. Non, c'est bon. J'ai des points de vie. Prends-toi mon seau. Voilà. Oh bien sûr, des kangourous maintenant. Le cirque est avec nous. Oh bien sûr, Tetsumaki Senpo Tourbilol. Tiens, Bicut. Si, c'est le nom du kangourou dans le jeu. Et bien sûr, il y a un dresseur. Oh, le double coup du super. Oh. Allez, combat la loyale. Toi, tu dégages. Oui, fais bien sûr, fais un super saut. Je te dis rien. Oh. Et voilà. C'est la fin de ce petit gameplay sur Street of Rage Remake sur la musique de Dreamer. Quelle plus belle façon de finir, je vous le demande. Si cela vous a plu, je vous rappelle que le lien pour le jeu est dans la description, qui est téléchargeable gratuitement pour rien du tout. Quant à moi, je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube, de me suivre sur Twitter @Raelus1, de mettre un commentaire sur ce jeu si ça vous a rappelé des souvenirs, de liker la vidéo bien sûr. Bon jeu et à la prochaine.